Salut tout le monde, c'est Golden et bienvenue sur l'épisode 14 de Golden Mode The Saison 4. Aujourd'hui, nous allons continuer le minage, en accéléré ou en ellipse, on va voir ça. L'objectif premier va être de récupérer un total de 6 diamants pour fabriquer un marteau. Et avec ce marteau, on fera du minage optimisé beaucoup plus rapidement pour en trouver 24 supplémentaires pour l'armure full diamant. Voici un résumé, après ça risque d'être compliqué à réaliser. On va voir ça. Donc pour mon minage optimisé, eh bien je vais continuer par là. Allez, let's go, à tout de suite. Ah, ah ah, et ben voilà, regardez, il est là. Ah, et ben on en trouve enfin. Donc nous en avons un total de déjà que je range un peu ça. Voilà, on en a 3, 4, 5 diamants. Excellent, excellent. Allez, continuons. Continuons, mesdames et messieurs, toujours tout droit. Là, cet épisode, ça se trouve, ça va être l'épisode de la chance. Allez, à tout de suite. Je suis de retour à la maison car nous avons un diamant par-ci, par-là. C'est sûr, on en avait un, le voilà. Ça nous en fait 6. Faisons un autre marteau. Donc, pour ce marteau, il nous faut de l'or, du fer, et puis je sais plus ce qu'il faut au milieu d'ailleurs. C'est bon, alors j'ai tout ce qu'il faut. J'ai eu un doute pendant un instant, mais c'est bon. Donc allons-y. Tac, tac. Tac. Je me suis un petit peu trompé. Voici l'item core. Voici l'item core. J'allais dire la miniature black hole, mais non, c'est pour Portal Gun ça. Chaque fois je confonds les deux. Donc voici l'item core et on le met comme ceci avec du diamant autour. Ainsi qu'une poignée en bas. Et voici notre marteau en diamant. Tout. 9. Alors là, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile à faire du minage optimisé. Bon, maintenant, aussi tant que je suis en haut, je pourrais faire mon échelle pour descendre tout en bas. Avec le bois que j'ai, je peux en faire facilement. Donc allons-y, faisons comme ceci, ça nous en fait 27. Et je pense que ça ira, mais on en fait un petit peu plus au cas où. 39, parfait, on redescend. Allez. On redescend et on pose tout ça. Hop. Et hop. Et c'est ici que j'avais cassé. Donc alors, cassons. En remontant, j'ai mis mon échelle. J'ai mis toutes les échelles que j'avais sur moi. Et regardez ça. Ha ha. Tada. Ça y est, on a un chemin. On a un magnifique chemin. Et puis maintenant, on peut faire celui à côté. Ouh, la chute. On peut faire celui à côté. On remonte. Hop. Voilà, il m'en reste 10. Ben, ça sera pas assez. Mais au moins, on a un chemin. Après, c'est un petit peu inutile d'en avoir deux, c'est vrai. On en a un. On pose vite fait comme ça, rapido. Hop. Et c'est parfait. Alors, c'est parti. Minage optimisé. Toujours. Non, on va changer. On s'écarte de 2. 1, 2, hop. Et c'est parti. Et on casse, 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 et on torche. Et on casse, 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 on casse, on casse, on casse, on casse. Et on torche. Alors vous inquiétez pas, chaque fois que ça tombera sur un minerai, ça mettra un petit peu plus de temps à se casser. Donc on saura qu'il y a quelque chose. On le saura. Alors j'ai rien loupé parce que là je passe vite, on a du rubis. Prenons le rubis. Parce que c'est aussi bien que le diamant. C'est mieux que le diamant. Donc prenons. Et continuons. Ah, ouh, attention à la lave. Ouh là, vous savez quoi? On fait demi-tour, on va faire un autre couloir. Faisons un autre couloir. Allez, on revient. Et attention, 1 et 2. Et on s'écarte et on continue. C'est parti. Et on torche. Toujours, sinon on n'y voit rien et ça se trouve je loupe quelque chose. Donc vaut mieux éviter. Torche. Oula, il fait un trou. Il fait un trou qu'il fallait pas. Yop, et on continue. On va bien tomber sur du diamant, quoi. Sinon, on a vraiment pas de chance. On a eu de la chance au début. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas? Hop. D'accord. C'est de la redstone. Et encore de l'or. Enfin, de... Encore de... Non. De la lave. Ouh, regardez-moi ça. Ha ha! Du diamant magnifique. Alors, on en a... Un... Plus de place pour le ramasser.
Donc 1, 2, 3, et 4, et 5. 5 diamants de plus. Très très bien. Là j'ai vu de la lave, donc je me suis dit, autant tourner autour. On a peut-être des chances d'en trouver. Et d'ailleurs je vais continuer un petit peu pour voir si on n'en trouve pas d'autres. Allons-y, non, on fait bien le tour comme ça. Bien comme il faut. Moins, ça l'use plutôt qu'autre chose. Ouais, ça l'use. Continuons le minage optimisé. Donc on s'écarte de 2, 1, 2. Et là, on revient sur nos pas. C'est reparti. Hop, on torche. On continue. Déjà 5 diamants. On peut refabriquer presque un marteau. Donc ça va. C'est rentable pour l'instant. C'est rentable. Oh, on n'y voit rien. On n'y voit rien du tout. On n'y voit rien du tout, là. Ouais. Moins. Ça, c'est du copper. Et on est de retour. Donc, faisons l'inverse. Partons de l'autre côté. Donc, partons ici tout droit. C'est parti. Petit diamant. Petit diamant. Par ici. Ramène-toi. Mon petit diamant. Non, rien. Pas de chance. On s'écarte de 2. Et go. Il est bientôt à moitié cassé. C'est triste. C'est bien triste. Hop. Allez. Sois gentil un peu. Allez, un petit filon comme ça, là, un petit filon. Hop, 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 5 de plus. Et c'est réglé. Non? Bah non, il ne va pas. Il veut pas. On va tenter quelque chose. Attention, vous êtes prêts? On va tourner tout autour comme ça. Ah, regardez, déjà, on a de l'or pour des lucky blocks. Très bien. On a de l'or. J'aime bien l'or. Hop. Prenons l'or. Il y en a 1, 2, 3, 4, 4. Très bien. Alors, je voulais tourner autour de moi, comme ça, pour voir si on trouvait pas quelque chose. Ah, ça l'use beaucoup plus, malheureusement. Bon, on sait jamais, des fois. Que du copper, ça c'est pas du diamant. Moins. Pas de diamant, pas de chance. Oh, encore de l'or. Très bien. Toujours plus d'or. Toujours plus. Ouais, ça nous en fait 8 de plus, c'est ça? Eh bien ouais, c'est bien ça, 8 de plus. Oula, ça fait un effet bizarre là avec la lumière, regardez ça, c'est bizarre. Bon, ben malheureusement, pas plus de chance que ça. Ouais, non. Pas de chance, on revient. Aujourd'hui, épisode minage, on n'a pas trop le choix, on est obligé. On est vraiment obligé. On fait avec, allez, tout droit. Hop. Hop, petit diamant. Petit diamant, où es-tu? Pas, non, il veut pas. Il ne veut pas m'en passer. C'est un petit radin, le jeu. Et on en retombe ici. On est retombé là, donc si on s'écarte de 2, on peut revenir sur nos pas. Comme ça. Allez, je vais devoir faire une nouvelle ellipse alors. Ou un accéléré. Si on trouve rien comme ça. Pas trop le choix. Hop. Du copper, c'était. Et on retombe ici, eh ben. Pourtant, je suis bien à la couche 10. 10, 11 et 12, à peu près. C'est là où on trouve du diamant, en général. Mais non. Ha ! Rien du tout. Rien du tout. C'est la cata. Voilà. Moi, je coupe à travers, comme ça. Rien à péter, parce que des fois, il y en a au sol. Ici, là, entre les deux, et on les voit pas. C'est triste. Donc, c'est jamais. On casse. On peut tomber dessus. Eh ben non. Allez, une dernière fois. On casse une dernière fois. Non, pas de chance. Bon, eh bien, je fais une ellipse et je vous retrouve une fois que j'ai trouvé quelque chose d'autre. À tout de suite.
Ah ah! Super! Super, super, super! En voilà des nouveaux! Alors, 1, 2, 3, 3 de plus? Ah non, celui-là, ok. 4, ouh, ça remonte, regardez ça! 5, ça nous en fait 10 diamants au total, très très bien! Vous voyez là, j'ai fait un genre de U, là je reviens sur mes pas. Très très bien, alors ici on a encore du rubis. Hop! Et là, regardez, oh, en plus c'était juste là, je suis passé à côté, c'était juste ici, et voilà, c'est pourtant, voilà, il y en a partout, du diamant, il y en a partout. Faut faire gaffe, où c'est qu'on mine, faut louper aucune zone. Donc 10 diamants, au pire on peut refabriquer un nouveau marteau, et il va falloir bientôt le faire, vu que celui-là il est bientôt mort, allez. Dernier tunnel et on remonte, tout dernier tunnel. Que la chance, que la force du kebab soit avec nous, regardez, fantastique, j'ai même pas fini de dire la phrase, que voilà encore du diamant, très très bien, allez, et là il y en a pas qu'un peu non plus, oui, regardez, on est à 17, trop bien. Allez, on continue, il est toujours pas cassé, toujours tout droit. Allez, que la force du kebab soit avec nous. Que la force du kebab tout puissant soit avec nous. Et là, normalement, dans quelques instants, on devrait trouver du diamant, si la force du kebab a bien fonctionné. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Il est bientôt cassé, quelques petits blocs et il explose, et ça y est, il a explosé. Bon, je continue un petit peu, on sait jamais. Eh oui. Allez, une petite chance, que la force du kebab soit avec nous. Il suffit d'un bloc à casser de plus. Non, pas de chance. Ouais, pas de chance du tout, c'est pas grave, on remonte, allez. On remonte à la maison, on fabrique un nouveau marteau et on commence à fabriquer un morceau de l'armure en diamant. Et puis après on va redescendre et faire la même chose. On va bien finir par la fabriquer au complet cette armure là. Une fois qu'on l'aura au complet, d'ailleurs il nous restera plus qu'à trouver les perles d'Enderman. Ah là là, c'est compliqué de récupérer ces perles là. Ah, j'ai pas de chance jusqu'à là, j'espère qu'on aura plus de chance par la suite pour récupérer ces perles le plus rapidement que possible. Je l'espère, je croise les doigts. Allons, on remonte, c'est pas très éclairé tout ça. Très très sombre, mais les mobs ne peuvent pas spawner, donc pas de soucis. Pas de soucis du tout. Et de retour à la maison. De retour à la maison. Nous voilà à la maison. Faisons cuire l'or. L'or 22. Et puis, on n'avait pas d'autres lingots. D'autres lingots d'or. Non, on n'avait pas d'autres lingots d'or. Faisons cuire. Donc il m'en faut 3. Ah non, il m'en faut 2 pour faire là. Ce qu'il faut pour le marteau. Allez, faisons l'item core. Tac, 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 tac. L'item core. Bâton. Et comme ça au-dessus. Nouveau marteau tout neuf. Avec 11 diamants supplémentaires, donc là on peut déjà faire le plastron. Le plastron, quoique, on peut faire déjà le plastron en rubis. Il est mieux, on est d'accord. Faisons le plastron en rubis, et même les chaussures. Allez, les chaussures en rubis. Hop. Et puis le pantalon en diamant. Hop. Pantalon en diamant, il est là, il est magnifique. On le met, et le casque, on en a pas assez malheureusement. Bon, on pourrait aussi faire un lucky block. Qu'est-ce que vous en pensez? Il me faut 8 lingots d'or, donc on attend un de plus. 8 lingots d'or et un dropper, il nous en reste un, excellent. Hop. Et c'est bon. Alors, Lucky Block, nous voilà. On va le faire exploser. Bien sûr, on vide notre inventaire. Et on va le vider dans le coffre en fer en dessous. Ça vaudra mieux.
On le vide ici. Tout notre inventaire, on garde le nécessaire et après on le récupère. Là, hop. On garde les torches. On garde l'épée, celle-ci là. On pose ça, ça et on garde un petit peu de nourriture. Là, allez, allons-y. Et même on pourrait le faire spawner directement. Ici. Allez, on tente. Attendez, par contre, il me faut aussi une pioche, on sait jamais. Voilà, une pioche. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. Et bim! D'accord, une éponge. Une éponge. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec une éponge? Rien, mis à part de la décoration. On pourrait s'en passer de l'éponge. c'est nul. voilà, on le pose ici. Donc, on peut tout récupérer. Tout récupérer. Tout. Ok, on redescend. C'est parti. Allez, tout en bas. On redescend. Et ça fait combien? Ça fait à peu près 20 minutes de vidéo. On va faire une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, là, pour changer. Un petit peu plus longue. C'est pour trouver plus de rubis et plus de diamants. Alors, nous partons par là. Qu'on continue, et là on revient sur le chemin. Vous savez quoi? C'est bon, on s'arrête ici. Je reviens à la maison. En attendant, on se quitte là. On se retrouve au prochain épisode. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un commentaire et de partager. C'était Golden, salut tout le monde, et bye bye.